T'es bon. Rebonjour, soir, nuit, Twitch, salut YouTube. Deuxième session sur Pokémon Légende Arceus, Légende Pokémon Arceus, je sais plus comment on le prononce à force. On n'a pas du tout le même ordre des mots en anglais et en français, c'est assez perturbant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusque là? On a atterri dans cette région. On sait pas pourquoi. Les habitants ont un peu peur de nous. Maintenant, ça va un peu mieux. Ils ont extrêmement peur des Pokémon. Ils y connaissent absolument rien. Et l'idée, c'est d'aller les rassurer et de faire des recherches sur les Pokémon en faisant des captures sauvages, des combats sauvages. Et fait intéressant, que moi, j'apprécie pas trop, mais que ça reste intéressant dans la nouveauté du gameplay, c'est qu'il faut craft les items. Pour avoir, enfin, faut craft pour faire des Pokéballs, quoi. Des potions, des rappels, tout ça. Faut tout craft. On peut en acheter, mais c'est plus rentable de les craft. Voilà. On est vraiment comme je le disais avant, hein, c'est un mix entre Zelda pour le décor, on va dire, un peu de Pokémon. Ça reste un univers Pokémon, mais quand même, je trouve. Ça ressemble pas mal à du Monster Hunter. Voilà. Donc on poursuit notre aventure. Hein. On reprend tranquillement. Je sais plus c'est quoi le bouton. C'est celui-là. Les missions secondaires sont presque faites pour l'instant. J'ai juste à trouver un Mustéboué de 80 cm. Et là, la mission principale, c'est d'aller au dojo. Donc on va à ce fameux dojo de cette ville de... comment elle s'appelle, Rusty Cité de la région de Isui. On va voir notre camarade. Vous voyez bien que je porte donc ça c'est ma camarade, que je porte une tenue, on va dire, de nos jours, et que on n'est pas du tout dans un monde de nos jours. Donc il y a bien des choses, il y a des questions, beaucoup de questions qu'on se pose. Elle a qui? Ah, elle a le hibou, ou elle a le l'ours d'eau, la loutre d'eau. Pikachu? Sérieusement? Mais Pikachu, quoi. Il fallait que ce soit Pikachu. Il fallait que ce soit Pikachu. J'y crois pas, quoi. Donc elle a du mal à communiquer avec Pikachu et à se faire obéir par Pikachu. On dirait Sacha au tout début de l'animé Pokémon, quand même. Hein. Donc bon. Pika ? Quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaye de faire mieux nous aussi. Bah oui. C'est pourquoi je souhaite t'affronter. Ah, j'aimerais que tu nous apprennes à nous... Quoi? Mais à la base, c'est vous qui devez m'apprendre des trucs. Bon. Pour une fois, c'est dans le sens inverse. Cinématique. Alors Lucia... Ah, mes Pokémon à moi sont en bas à gauche. Donc j'en ai 6. Et Lucia, en haut à droite, elle a que Pikachu. Donc il y a bien des combats de... comme ça, très bien. Vas-y Riri. Ah, il est niveau 9 quand même. Oh. Bah, planète. Voilà, comme ça on le brûle. Aïe aïe. Il est paralysé, non. Non. Non, Hérissandre, non. Au revoir, Hérissandre. Ce fut un plaisir de combattre avec toi. Tu seras honoré. Tu auras une statue à ton effigie. Attendez, j'ai un Pikachu en face de moi. On va éviter les tourmines dans ce cas. Je pourrais sortir le Lixie. Lixie qui est du coup à toute sa vie. Donc passer une nuit, apparemment, ça régène les Pokémon. D'accord. Et que notre, j'ai
Attendez, c'est ça mon roster? Lol. On va faire un tour à la boîte Pokémon de pâturage. En vrai, Golixi, hein. On va faire de la vive attaque. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Vous semblez vous comprendre parfaitement, tes Pokémon et toi. Ah non, ils ont tous pris de l'XP sauf Erisandre. Ok. Merci pour ce combat, de rien. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu. Bah, il y a des gens qui ont pensé ça dans le film Détective Pikachu. Et... voilà. Non, ça n'a rien à voir. Je sens qu'on commence à bien s'entendre, n'est-ce pas, Pikachu? Ah, j'ai cru qu'il lui tournait le dos. Ah, et donc il lui tourne vraiment le dos. La pauvre. Ça me fait de la peine. Il faudrait que je parvienne à me lier d'amitié avec... Il y a la notion d'amitié dans ce jeu aussi, sérieusement. Ok. Le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types, oui, et que les connaître peut être utile lors des affrontements. Bon, bon, ça, c'est... Voilà. Mon Pikachu est-il de type électrique, sans blague. Wow, 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 wow. On a le droit au tableau, carrément. Je le screen parce que ça peut être utile. Il y a tout ça. Enfin, là, le tableau, il est même pas complet, en plus. Ah, c'est là, ça, c'est la suite. D'accord. Ok. C'est intéressant d'avoir mis ça en jeu. Très intéressant. Ah, un nouveau personnage. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle, non? Bonjour. Belila. Je m'appelle Belila, je suis la chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat. Mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Belila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Ah ben c'est comme mon Erisandre en fait. Tout d'abord, il y a le style puissant. Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. D'accord. Et puis, il y a le style rapide. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer deux fois avant que ton ennemi ne réagisse. D'accord, c'est ça qui m'est arrivé face à quelques Lixi. Ok. D'accord. Intéressant. Style puissant, style rapide ou capacité classique. Pour alterner entre ces options, utilise les boutons droite et gauche. Ah bon? Moi c'était L et R. D'accord. Style rapide, style puissant, une fois que votre Pokémon... Bah c'est ce qu'elle vient de dire en fait. Alors. Style rapide, ça baisse la puissance de la capacité. Mais par contre, ça avance la position du lanceur dans l'ordre d'action et ça consomme plus de... Ah mince, ça consomme plus de PP! Ah punaise, ça c'est pas... Ah, je suis pas sûr de vouloir beaucoup utiliser ces deux styles dans ce cas. Je suis pas fan que ça consomme beaucoup de PP. Les PP, il y en a pas énormément en vrai. Tu vas apprendre de nouvelles capacités à tes Pokémon, adresse-toi à moi. Oui, je veux bien. Grâce à Belila, tu devrais maintenant pouvoir combattre des Pokémon encore plus fort. Allons voir Risa à présent. Tu te souviens de la discussion d'hier soir au sujet de la mission de Risa qu'il voudrait faire? Elle nous attend au pied de la colline Ambition. Choisis bien les Pokémon que tu vas amener avec toi, enseigne-les les capacités. Okay. Ok, alors changer les capacités. Non. D'abord, passer. Comment ça s'appelle? Au pâturage. Refaire le roster.
aller chercher les capacités. Et après faire la mission. On va faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Alors, petite carte. Ah. Oh, je peux aller là, jusque là. Air d'initiation. Mais il n'y a pas de PNJ là-bas. Ou alors c'est qu'il va y avoir des PNJ plus tard. Partez à l'aventure. Je vais vous jeter un œil ici, ça m'a intrigué un peu plus tôt ça là-bas. Ah bah tiens. Ah non, je lui avais déjà parlé en fait. Bon, l'amulette là. Dame Hulette vend des amulettes aux effets bénéfiques. Remercions ensemble notre statuenne gardienne, grande protectrice de notre chère rusticité, blablabla. Quel est ton souhait? Ouais, d'abord point d'interrogation. Si tu souhaites éviter de perdre des objets, je te recommande la Remplamulette. Dans le cas fâcheux où tu perdrais connaissance, elle protégera tes objets en disparaissant miraculeusement. Ah, je sais plus parler. Par miracle à leur place, voilà. Si tu veux plus d'endurance, prends l'enduramulette. La porter sur soi réduit miraculeusement les chances de perdre connaissance. D'accord. Si tu veux renforcer ton mental, la Zen Amulette. Elle recèle le pouvoir d'esquisser miraculeusement les altérations de statut générées par les capacités d'un Pokémon. Oh. Oh. Maintenant, tu sais quel pouvoir enferme les amulettes. Oh. 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 Mental d'acier. Oh, excusez-moi. 500. J'ai pas énormément d'argent. On ira lui chercher les... J'irai lui prendre les amulettes, mais plus tard. Vraiment plus tard. Parce que j'ai vraiment pas énormément de trucs. Bon, un peu de craft. Il faut crafter. Ah, j'ai pas de galet. Zut. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas de galets noirs. Des potions, il m'en reste 4. Et des soignons, j'ai qu'un rappel par contre. J'ai pas de rappel. Je n'ai pas qu'un, je n'ai pas. Donc j'en fais un. Je peux en faire un autre? D'accord. Je pensais que. Donc j'avais deux bourgeons vivaces, j'avais pas capté ça. Très bien. Et les potions, je vais en faire... je les utilise pas mal. Je vais en faire 10. De toute manière, je pouvais pas en faire plus. Et je vais passer au magasin. C'est sur le trajet. Oh mince Ah punaise, ça m'embête. Je pensais qu'ils vendaient les compos, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Bon bah je vais acheter des Pokéballs dans ce cas. J'en ai acheté 10, j'en ai 15. Ça m'en fera 25. Mais ils ne me donnent pas de Honor Ball évidemment hein. Lol. Ah, j'ai plein de choses là. Je lance le miel un peu n'importe où. Et ça attire les Pokémon. Ça, c'est du repousse. Ça, je comprends pas ce que c'est. Ça, ça permet de ralentir un Pokémon, d'accord. Bon, alors, il fallait passer au pâturage. Bonjour madame. Oui, je souhaite refaire mon roster. Donc je prends le Mustéboué avec moi.
J'enlève ce que note. Ou roulade charge 73 37 82 45. J'ai enlevé celui-là. Étourmi, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop même. Je vais prendre le chenipot avec moi. Et je vais remplacer. Ah, attendez, chenipot ou Baudrive quand même. Ça peut être intéressant. Il a choc mental et hypnose. Et toi, t'as que Darvenin. Kenotor, il a quoi, mon Kenotor? Roula des charges. Je vais peut-être prioriser Chenipot en premier. Alors, celui-là, 63-42. Vivar, Tac, Tornade, Aéropique. 61-47. 63-42. Je vais enlever celui-là. Et là, ça me fait feu, eau, vol, électrique, insecte, poison et maxi-outil. Kenotor, c'est le maxi-outil. Enfin, j'espère qu'il sera aussi maxi-outil dans cette version-là. J'en doute quand même. Mais j'aurais bien gardé Baudrive quand même. Et là, ça serait bien de les reclasser, là. Ça me va pas. Est-ce que je peux... Comment je fais? Je peux pas. On va faire ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Déplacer. Voilà. Ça me fait 5 piaf. Pour l'instant, je les laisse là. On verra plus tard. On verra plus tard ce qu'il faut faire. Ah bah tiens, ils dormaient, c'est bien ça. Hier soir, ils dormaient. Regardez, ils sont là, mes Pokémon. Ils sont beaux, hein. Mais attendez, le peuple qu'il va y avoir... Oh, vu que je vais en capturer beaucoup. Bon, maintenant, les capacités, on a dit. Donc, je vais me TP là-bas. Au dojo, vous pouvez enseigner ou faire maîtriser des capacités à vos Pokémon. Oui. Échanger, demander des infos. D'abord, demander des infos, oui. Apprendre des capacités. Oh, punaise, c'est une boutique. Je peux même leur enseigner des capacités qu'ils ne peuvent pas apprendre en montant de niveau. Maîtriser. En montant de niveau, il peut maîtriser ses capacités. Oui, donc ça, c'est ce que ça, j'avais capté. Okay. Attendez, quoi? Graine de maîtrise? Je vais relire. Je peux moi-même aider tes Pokémon à maîtriser une de leurs capacités. Ah, oui, non, 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 ça non. Utiliser des capacités. Donc voilà, c'est en combat. Et le niveau d'effort, ça j'avais pas compris. Signifie améliorer ses stats. Des objets comme le sable effort permettent d'augmenter l'attaque ou la défense. Ce qui peut être utile en combat. Ah, c'est pas permanent. Ou alors j'ai pas compris. Échanger des objets pour voir peut-être. Ah. Oh punaise, le sable se transforme en caillou qui se transforme en pierre qui se transforme en rocher. D'accord, ok. Non, attends, reste là, madame, pardon. Échanger des objets, maîtriser une capacité. Apprendre une capacité. Hérissandre. Hérissandre peut apprendre une attaque vol, sérieusement? Il peut apprendre un météore. Alors attendez, donc c'est une catégorie. Il fait 62, ça fait 62 puissance, il y a 20 pp. Il peut faire repos. Repos, j'ai que 1600, hein, c'est pas... Et météore, d'accord.
Mustéboué pour voir par curiosité. Éclate rock, météore gonflé repos. Étourmi. Météore, vent mauvais et repos. Vent mauvais ? Punaise. Lixi. Oh punaise, tout ce qu'il a ! Croc feu, croc éclair, croc givre. Mais c'est lui qui va être l'outil en fait. Que notor ? On va voir. Combat, roche, normal, psy. Et enfin, chenipot. Rien du tout. Lol. Ok. Donc derrière la caméra, il y avait le prix des choses. Eh bien... Tac. Allons ici. On se casse. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura qu'une grande ville. Ça me perturbe un peu, je vous l'avoue. Ah bah tiens, qui voilà ? Ah vas-y, ouais, c'est... dis-moi. Une approche surprise. Oh là là. Ah, dans le dos d'un Pokémon. Dans le dos d'un Pokémon. D'accord. Dans le dos avec une Pokéball. Je vais essayer de le retenir. Ah, il y a des gens avec des quêtes. Alors, moi je... Mais il n'y a plus les frontières, il n'y a plus les... Il n'y a vraiment plus les frontières. Valferrache, colline ambition. J'ai deux missions ici. Ça, c'est la mission principale. Et il y a une mission lointaine, très très lointaine. Ah mais attendez, c'est beaucoup trop grand là, j'y pense. Là. Objet perdu de Léa. Objet perdu de Regina. Je vais essayer d'aller là-bas. Et je vais essayer. Ah punaise, je peux en mettre qu'un. Ça c'est un Pokémon, ça c'est du minerai. Je sais pas, je vais mettre ça. Dans ce cas, est-ce que j'ai le droit de mettre ça plutôt à la place ? Ouais. Je mets deux étoiles, on verra bien. Je me zoome un petit peu là. Donc je prends les deux missions d'ici. Je vais tout droit. Sans toucher ça. Et je vais là. Ça je ferai un dernier. Ok. Donc les missions. Bonjour monsieur. Alors, j'ai inventé une méthode pour confectionner des appâts. L'appât tout mou. D'accord. Ah, il veut des champignons. Et de ce côté... Quelle mélodie enchanteresse, je me demande bien comment ils font. Oh punaise des Krixik. Ah, d'accord. Alors, carte. Ah non, c'est je me débrouille. Quoi ? D'accord. C'est vraiment je me débrouille quoi. Il veut des champignons. Mais je les trouve où les champignons ? Ça a parlé de guide quand même. Ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. Ça aussi, ça aussi, ça je l'ai lu. Tout ça je les ai lus.
Ah, cadeau mystère. Tout ça, je l'ai lu en fait. Mais l'histoire du guide. Bon, je sais pas. Je relis vite fait le Pokédex sur ce qu'on peut croiser, que nos torts. Faudrait que j'en vainque deux. Ouais, faudrait que j'en vainque deux. C'est quoi ça? Noagrum! Tiens. Ah bah oui, bien sûr. Vas-y, grimpe, 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 on y croit. Voilà. Tiens, ramasse. Je sais pas tout ça, mais j'ai besoin d'items, moi. Faudrait que je les vainque, j'ai dit. Bien, Hérissandre, c'est bien. GG. Alors, il y a encore un. Hop là, un Kunotor à vaincre. Ils sont un peu partout sur le terrain, ça devrait aller. Fait des dégâts avec sa roulade, hein. Punaise. Voilà. Allez, Kunotor. Spécimen vaincu, 4. Faudrait que j'attrape un Kunotor poids lourd. Mais alors, comment est-ce que je le sais, ça? Ça va être chaud quoi. Les objets, c'est. Non, c'est pas là. Voilà. Faut que je soigne mon Hérissandre. J'avais dit que j'avais pas un truc à faire avec les étourmis, moi. Ouais, la page elle est à 10 en vrai. Je pourrais en battre 2. On va en battre 2, ouais. Allez. Barré. C'est dégueulasse, il s'est barré quoi. Ah, il y a un oignon là-bas. Il y a deux oignons. Alors, il y a des trucs à récupérer. Il y a un chenipote. Un chenipote. Chenipote, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'en attrape un sans qu'il me repère. Et que j'en vainque. Oh, punaise.
Ah, il se barre. Hein. Ah, il m'a vu. Bon, tant pis. C'est pas grave. Il y en avait un autre. Voilà, il est en plein milieu. Je vais me mettre dans les herbes. Ah, il y en a deux. Est-ce que ça passe? Non. Lui, il m'a pas vu. Allez, allez. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Il fallait que je le batte, lui, là-bas. Ah, il s'est barré, d'accord. Ah, il a appris roulade. Mais c'est pas roulade, ça, c'est roue de feu. Oh, mais ouais, ça. Poids plume attrapé, spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Il faut que j'en batte en cours de. Navet en face, en face, en face, il y a du monde. Punaise. Bon, et puis zut. Hop là, à l'attaque. Il s'est barré. Je dis à l'attaque et je lance une Pokéball et au lieu de mourir cendre. Non mais n'importe quoi. C'est quoi ça? Un Mustéboué. Il m'a vu ou pas? Non. Pour l'instant il m'a pas vu. Il m'a vu. Il a. Oh. Ah ouais, tu pardonnes pas toi. D'accord, donc quand c'est comme ça, c'est non, d'accord. C'est bon. Allez, à l'attaque. Peut-être un peu trop de niveau d'écart. Vive attaque. Encore. Non, pas encore. Il va. Je vais. Ouais, non. On va lancer ça. En espérant que tu sois grand. Un grand Mustéboué, s'il te plaît. Ah, bah voilà. Alors. C'est ici. Non, c'est pas là. Punaise. Mustéboué, j'en suis où en fait? Grande taille. Ah, je l'ai peut-être pas eu. Je ne l'ai peut-être pas eu. Spécimen vaincu par une. Punaise, c'était l'Ixie qu'il fallait que je sorte. Oh, les boules. Mais comment je fais pour voir. Je suis obligé d'aller sur. Comment ça s'appelle? La prairie là. La garderie pour voir si le Mustéboué est bon. Je trouve ça nul. Dommage. Vraiment dommage. Carte, pardon, la carte. Où suis-je? Faut que j'aille sur ma gauche. Pardon. Je peux nager ou pas? Ah oui. Je peux nager. Non, je peux pas nager. Je recule. Recule. Très bien. Très bien. Où est le pont? Beaucoup plus loin. Dans ce sens-là, d'accord. Qui m'a vu? Il y a un Pokémon?
Ah oui, Alix. On se calme. Il est niveau 3. Une roulade. Il a évité l'attaque, pardon. Le jeu est gentil avec moi là. Ok. Alors bonjour. D'accord. Il y a de l'histoire là, il y a du lore. Je devrais peut-être soigner mon truc moi. Mon hérissandre. Qui est cette dame? Elle a un petit moins frex. Ah bah c'est Riz. C'est Riz. Gardienne du clan Diamant. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh non. On fuit. Parfait, ça m'arrange. Ça m'arrange, allez. Je voulais soigner mon hérissandre, c'est tout ce que je souhaitais utiliser. Voilà. Allez, c'est bon, on peut combattre. Oh là, elle est sévère. Attaque. Non, c'est pas bon. Oh. Pardon. Elle va me démonter, hein. Ah, j'ai mort. Ah, il a résisté, bien, 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 bien. Bien. Oh, punaise. Bon, il lui reste 3 PV, mais... Mais c'est une auteur. On va essayer. Charge plus rapide. Voilà. Nickel. Bon, ça m'embête parce que j'ai que 2 rappels sur moi, quoi. Oui, ça fait beaucoup de. Oui, ça fait beaucoup là quand même. Tu me heals, hein, que tu me heals. Ah, merci. Merci, merci. Ça me fait économiser les rappels. Oui. D'accord. Le héros des légendes? Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mon téléphone sonne. Oui, allô? C'est une carte? Oui, c'est au-delà d'une carte quand même. Hein. Est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? Le Grand Sinnoh est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Ah, Cerseus ! Il a créé le continent de Isui,
il a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, mais comment Issui est devenu Sinnoh, je comprends pas. Nous, le peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Issui et vénérer le grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le grand Sinnoh a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au grand Sinnoh. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du grand Sinnoh. Allons-y. Petite carte. Donc, on me dit d'aller... Bon, la mélodie des plaines, voilà. Faut que j'aille en face. Donc, faut que je traverse. Mais c'est méga loin, ça, en fait. Ouais, peut-être que j'aille là, en premier. Bon, y'a qui ici en Pokémon? Ah bah tiens. Qui donc? Plutôt. Allez. Nickel. Alors, je vais relire ma mission par contre, parce que je l'ai pas compris. Et je vais lire Krixik au passage. Il faut que j'attrape sans qu'il me voie, que j'en vainque et que je lui donne de la nourriture. Ah. Bah, je balance de la nourriture et attrape, après j'attrape. Voilà. Et la mission, c'est ici, là. Ah oui, toi tu voulais le Mustéboué aussi. Et tu voulais un champignon. Bah, alors là, le champignon. Faut que j'y pense. Montrez-moi la page complète. Oh punaise, il faut que je complète la plage de Krixik. Ok. Il y en a un en face là. Mince, j'aurais dû lui donner à manger, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Alors, oh, c'est quoi? Ah bah des Krixik, tiens. Ils arrêtent pas de bouger. Ok, il a eu de la bouffe. Nickel. Alors, maintenant, je reviens sur le Pokédex. Krixik. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudrait que je fasse un truc en plus. Il faudrait que j'en vainque. Que je donne de la nourriture. Que j'en batte 2 et que je donne la nourriture une fois. Quoi. Okay. Alors, X, L... Eh, hey, il se barre, hein. Bon, trop tard, allez, allez. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Oh, je l'ai OS. Je suis désolé. Vraiment désolé. Bah tant qu'à faire, on va faire ça. Voilà. C'est quoi ça? C'est un étourmi? Étourmi, il fallait faire des choses avec ou pas, je me souviens plus. Enfin, il faut toujours faire des choses en vrai. Mais... Spécimen vaincu, allez go. Pas mal. Ça aussi c'est pas mal, ça fait mal. Au secours.
Voilà, c'est ça. Bon, Krixix, ah bah, il y a des arbres à... Des arbres un peu partout, en vrai. Ouais, je re-regarde la... Il y a un Pokémon pas loin qui veut m'attaquer, mais je sais pas où. Qu'est-ce que... Ah, un beau drive. Beau drive, il fallait que je le batte par une capacité spectre. Et que j'en attrape un. Voilà. C'est tout. Alors dans ce cas... De toute façon, il m'avait attrapé. Ça, c'est ça. Oh, il résiste. Voilà. C'était pas spectre ? Spécimen vaincu par une capacité... C'est une capacité ténèbre. C'était pas spectre, c'était une capacité. Je les confonds à chaque fois, punaise. Bon, où dois-je aller? Faut que j'en attrape d'autres. Spécimen vaincu. Ouais, faudrait que j'en attrape un. J'ai plus beaucoup de Pokéball. Hein. Ah bah il s'est barré. Ou pas? Là, il veut pas. Là. J'ai balancé ce que j'avais. On va essayer de faire attention. Je lui dis bien essayer. Oui, j'ai bien dit essayer. Hein. Voilà. Là, on attend. Allez, au revoir, Lixi. Je suis vraiment désolé, Lixi. On va lancer une balle. Nickel. Alors, non, oui, si, pardon. Ici, on verra plus tard. Je te raiserai plus tard. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ça clignote? Comme ça, on peut savoir que ça évolue. Super violent comme animation d'évolution quand même. Armulis. D'accord. Petite carte, s'il vous plaît. Ah, je me rapproche de la mission, là. Je voulais aller de l'autre côté, moi. C'est de ce côté? Ouais. Sentier Sermon. Et je sais plus du tout dans le Pokédex où est-ce que j'en suis. Hop là. Je ne sais plus. Ah, faut aussi, je pourrais attraper et vaincre des chenipotes si j'en croise. Ouais. Mais bon, là, en pleine nuit, c'est quoi, ça? Du bois. D'accord, très bien. Et là, il y a le Mustéboué. Mustéboué, il fallait que je le batte avec un truc électrique. C'est ça? Je sais plus. Vaincu par une capacité électrique 2. Oh, punaise. Alors, le sac, le rez. Sur l'Ixi. C'est pas suffisant.
Allez. Il y a plein de beaux drives en face. Ah, c'est pas suffisant. Il fallait que j'en capture un aussi. Un grand mixé boué. Ah, y a du monde. Vivement la monture. Il y a plein de Beaudrive, spectre. Et il faut qu'il utilise hypnose. Et oui. Et que j'attrape toute la nuit. Bon, les Beaudrive, flemme. Il est là, il y a un grand là. C'est... Au secours? Pourquoi il a les yeux rouges? 31? C'est un baron. C'est un baron. ok. Il va tous me les OS. Tous. Je vois pas ta vie. Je lui fais rien. Qu'est-ce que j'envoie Hérissandre contre un truc haut, moi, mais n'importe quoi. Hein. On fuit. Oui, j'abandonne, bien sûr, je me casse. Mais fous-moi la paix. Au secours. C'est barré. Stop. Sac de suite. Un raise. Sans aucune hésitation. Sur Hérissandre. On va le soigner de suite. Et le musté boué, il fallait que je l'attrape, hein, c'est ça. Oh là là, mais c'est quoi ce Pokémon? Ouais, viens là. Mais il me court après, mais il est super... Il me court de méga loin. Regarde, je suis caché dans les herbes. Regarde, oh là, je suis perdu. Voilà, il n'y a plus personne qui me voit. Il est tellement grand. Allez. J'espère qu'il sera grand, lui. Mais pourquoi j'envoie Hérissandre? Idiot. Yes, c'est bon. Ce serait bien que je me régène parce que là ça craint vraiment. Alors c'est derrière moi qu'il faut que j'aille. Mais je peux pas y aller là. En fait. Genre pas du tout. Pour y aller, faut passer par là. Je me suis fait eu. Oh punaise. La carte, elle est pas... Niveau dénivelé, elle est fausse. Hein. Vous m'excusez le jeu, mais elle est fausse. Hein. Je peux pas aller là? Est-ce que je peux être... Vas-y, grimpe, c'est bien, grimpe encore. Si je grimpe par là, ça grimpe encore, c'est bien, grimpe. Allez, encore, on y croit. Ensuite, c'est quoi cette musique? D'où elle sort?
Je sais pas. Ah, presque. Et si je passe par là? Non, ça fonctionne pas. Bon. Alors, il y a un arbre au milieu. Mais il n'y a pas qu'un arbre au milieu. Hein. Vas-y, récupère s'il faut. Il va m'attaquer. Ils vont tous m'attaquer. Il n'y a pas de baie ici. Je cours. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Bon, prenons le temps de réfléchir. Carte. Ça, bah, tant pis, hein. Faudrait que je fasse tout le tour par en bas. Pour aller là. En termes de mission, j'en suis où, moi, là-dedans, en plus? Oui, bon. La principale, il faut que je... Ok, d'accord, mais ça... Le grand musée boué. Trouver le champignon. Voilà. Et des Krixik. Compléter les Krixik. Mais les Krixik, là, il n'y en a pas. Ils font dodo. Je suis à... Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, peut-être que les Krixik, en vrai... Mais il y en a là des Krixik, tiens. Il y en a juste en face. Faut que je les attrape sans qu'ils me repèrent. 3. Vaincre un peu plus. Et de la nourriture. Ok. Par contre, mon équipe, elle est mal en point. Vraiment. La nourriture, sérieux? 4 sur 6. La nourriture? Ça n'a pas fonctionné. J'y crois pas. Ça n'a pas fonctionné. Oui, que je lui donne à manger d'une autre manière. Non, non, il s'est barré. Donc, il y a des Krixik qui aiment le miel et d'autres, ils s'en foutent. Bon, on avance. Ah bah tiens. Il m'a repéré. Je sais pas si ça l'intéresse. Il mange ou pas? J'ai pas l'impression. Aïe aïe aïe. Non, il se barre. Il se barre. Peut-être qu'il préfère ça. J'ai un doute. Ah, c'est bon. Punaise! Quand même! Ok. Donc, petite carte. Petite carte, petite truc, machin. Si j'en attrape encore un, c'est bon. Ah, peut-être même deux. Hein. Mais j'ai plus beaucoup de bols, en vrai. J'ai plus que trois bols. Va peut-être falloir que je fasse la mission. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis.
vers où la mission? Derrière moi. Y'a plein de Krixik. Des champignons peut-être quelque part. Hop, 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 on recule. Hop là, j'avais pas vu. C'est un Pokémon endormi, c'est quoi? C'est un Pokémon. Là, il y a des choses. Là, il y a que... Oh, un racaillou! Et une plante. Bon, avant d'attaquer le racaillou, bonjour. Il lui faut des baies cerises. Oh, j'en ai bien d'en balancer une. Heureusement, je les avais sur moi. Heureusement. Tu peux attirer l'attention. Ouais, blablabla. Mais je viens de le faire! Bon, 15 Pokéballs, c'est gentil. Et maintenant? La mélodie des plaines. Bah non, mais attendez, ma mission, là. Pardon, mais ma mission? Rendez-vous sur le plateau de Sermon. Ça, faut que je le fasse où, ce champignon? Oh punaise, j'ai compris le truc. Le plateau, il doit être là. J'ai compris le truc. Salut Racaillou. Pardon hein, mais je peux pas là. On va aller se reposer. On va aller se reposer parce que là, c'est pas bon. Combien de temps voulez-vous dormir? Un petit moment, c'est juste histoire de régène. C'est vrai, est-ce qu'ils sont tous en vie? Est-ce que mes Pokémon sont tous en vie? Parfait. Ah, ça m'arrange, je suis content. Je suis content, content. Bonjour, professeur. Oui. Non, en fait. Il va me renvoyer à la ville. Oh, j'ai le choix, punaise, trop bien. Alors, est-ce que la page du Krixik est bonne maintenant? Parfait, on va parler à la madame. Ferno du corps des artisans. Hein. Donc il va falloir que je parle à Ferno du truc des artisans. Ok. Alors, maintenant que ça c'est fait. Les appâts tout mous. Mais j'en ai pas sur moi des appâts tout mous en fait. J'ai pas du tout de champignons, j'ai rien. C'est quoi un champignon tout mou? Mission. Il y a le Big Musteboué. En espérant peut-être que j'ai un Musteboué qui rentre dans les critères. Sinon, il y a le gros Musteboué qui fait peur. Mais j'ai pas le niveau. Hein. Le plateau Sermon. Punaise. C'est là, c'est le sentier. S'il faut, c'était bien le Musteboué
fait flipper, mais ça paraît bizarre quand même d'avoir autant de niveaux d'écart. Pardon, je passe. Il y a tant qu'à faire, il y a des étourmis en face là. Les étourmis en face, on avait dit. Tac. Que j'en batte deux. Voilà. C'est juste un batte des étourmis. Ouais, j'en aurais peut-être trois pour le prix donc. Hein. Allez, go. Allez, et d'un. Et ils sont barrés les autres. Voilà, ça fait un truc en plus au Pokédex, c'est tranquille. C'est faire. On est bien. Et attention au Lixie sur le terrain là. On va essayer de le contourner. Parce que Lixie il est pas très, très gentil. Bonjour le PNJ. On va essayer d'attraper un racaillou, ça serait bien. Il y a des baies là-dedans? Non. Il y a des baies ici, non plus. Faut attendre plus longtemps que ça repousse en fait. Et pitié racaillou. Il m'a vu. Je suis caché, tu m'as pas vu. Bon d'accord, tu m'as vu. T'es niveau combien cette? Oui, je sais que c'est pas. Je suis au courant. C'est encore moins efficace, ça, sérieux. Le racaillou est attrapé. Alors, racaillou. Ça devient n'importe quoi dans cette liste. Région de Hisui. Oh punaise, il va y avoir d'autres régions. Alors, racaillou. Oh mon dieu, toutes ces cases. Il faut en attraper beaucoup. Des poids lourds, en vaincre. Lui faire utiliser roulade. Vaincre par une capacité eau et plante. Et spécimen aperçu surgissant d'un gisement minier. D'accord. Faudra que je sorte le musté. Ah punaise, c'était pas un musté boué, c'était un musté flotte le grand là. D'accord. Donc racaillou, faut que je le batte avec de l'eau. Ok. Et en attraper au passage. Donc hop là. Moi je me balade. Donc, il est vaincu avec de l'eau. Si je refais la même, on avance sur pas mal de choses. Ok. Bon, il faudrait... c'est quoi l'histoire du gisement minier, là? C'est quoi, c'est un racaillou, ça? C'est quoi? Oui.
Il est caché dans l'herbe. Il est là. Oh la critique. Et c'est un racaillou 10 ça. Allez, ça c'est fait. Il y avait un autre racaillou qui se traînait par là, je crois. Non. Oui, non. Si, en bas. Tant qu'à faire. Ou alors c'est le même qui a repop en fait. Celui que j'ai attrapé au départ. Peut-être ça. Ça fait rien du tout. Voilà. Comment j'ai raté ça? Punaise. C'est quoi ça? C'est un Pokémon? Ça bouge. Ah! Je pense que c'est ça le gisement mini en fait. Je pense que c'est ça. Voilà. On est bon ? Est-ce qu'on est bon ? Oui, c'est ça. Surgissant d'un gisement minier, c'est bien ça. D'accord. Ok. Pour l'instant, je fais que les battre. Et je ne les attrape pas. C'est pas très grave. Tellement pas de Pokéball. Là, il y a un oiseau. On va le contourner. Aïe. Pourquoi il brille, lui? Qu'est-ce qui se passe? Oh punaise, faut que je lance les cailloux sur... Oh punaise, on m'attaque. Sur les gisements miniers. Ah, mais c'était pas... intuitif, hein. Fallait le dire avant, ça. Il est où? Ah, il allait me foncer dessus. Heureusement, j'ai lancé le Mustébo avant. Donc, je lance un Pokémon sur un caillou. Genre là-haut. On va essayer. J'y arrive. Genre là. D'accord. Punaise. Faut le savoir, quoi. Allez, grimpe. Belle vue. Je vais faire un point sur la carte. Je suis sur le plateau Sermon. D'accord. Bah, en fait, je vais me balader. Simplement. Je vais me balader. Ouais. Point sur l'émission. Je cherche toujours le truc. Un grand Mustéboué à voir. Je cherche des champignons et avancer sur le chemin, tout simplement. Il y a plein de statues. On va peut-être arriver à un temple ou quelque chose comme ça. Bon, je cherche toujours un champignon. Ah, il y a un PNJ. J'ai croisé quelqu'un en bas, madame. Vous voulez pas venir m'aider? Là, je suis arrivé juste à temps. Ah, d'accord, il veut prendre une photo. Le plateau Sermon, c'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Donc, les Pokémon bénis par Arceus sont juste des Pokémon normaux qui sont surboostés en mode maléfique. C'est même pas des légendaires, des fabuleux, des choses comme ça, quoi. Ah, j'ai rien dit. C'est pas lui, en tout cas. Ça, c'est un fauteur de troubles qui vient briser l'harmonie des dieux. Oui, oui, on a compris. Débarrasse-nous de lui. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. C'est gentil.
Mais je vais peut-être pas avoir le niveau en fait. Il est très grand ce Pokémon. Ça, c'est un des fameux barons. Ah, mais c'est pour ça que tout le monde a peur. D'accord. Et je fais comment? Les spécimens aux yeux rouges sont des Pokémon barons. Ils sont plus imposants que les ordinaires et connaissent des capacités rares. D'accord. Mais on peut les attraper. Ouais. Armulis peut évoluer? Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Et voici Charmillon. J'ai pas regardé le Pokédex de Charmillon et d'Armulis au passage. Vite fait, faisons ça. Armulis. Et ouais, c'est ça, j'aurais dû faire quelque chose avant, bon, je pense. Lui faire utiliser les capacités. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? De toute manière, j'ai pas le choix. Ah mais c'est même pas, c'est bon bah go. Ouais. Salut. Donc cinématique, d'accord. C'est niveau combien? L'ordre d'action en combat. Pendant un combat, vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant sur Y. Un Pokémon dont la vitesse est suffisamment élevée, blablabla. Ok. Il est 12? Oh. Aéro-tour. Capacité. Yes. Je le capture ou je le... Je sais pas. Bien essayer de le capturer en vrai. C'est mal hein. Suspense. Parce que c'est une cinématique, il va me dire. Ah non, en fait. Oh putainaise. Oh c'est bien, t'as résisté. Au revoir Lixi, je suis vraiment désolé. J'ai envoyé Tourmi. Allez, on y croit, s'il te plaît. Ça fait partie de l'histoire, t'es un Pokémon dieu de l'histoire, tu vas te faire attraper. Ou pas, punaise. Faut que je le batte. Oh là là, il est capricieux. Ça coûte tellement cher les bols dans ce jeu. Comment voulez-vous qu'on les dépense correctement quoi? Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Allez, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. S'il te plaît. Bah tant pis, je te bats, hein. Tant pis, désolé. Ça m'embête, en vrai. Mais, ou alors c'est que le jeu, par script, a décidé qu'on ne pouvait pas attraper ce Pokémon. C'est possible aussi.
Ah, merci de me soigner, c'est gentil. Serbie? C'est quoi ça, Serbie? Voici le grand Serbilin. Il vient me voir. Tranquillement. Il me regarde, il a un gros nez. Le grand Serbilin te regarde avec tant de tendresse. C'est un très grand honneur qu'il te fait. Il s'en va. On dirait qu'il t'apprécie, t'as vraiment de la chance. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. Bah attendez, vous avez beaucoup de peur sur les Pokémon, et là vous dites, ah bah il y a quand même des gens qui montent sur les dos d'un Pokémon. Bref, c'est inouï, totalement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémon tueurs d'Alola. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a quelqu'un derrière. J'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrons installer un bivouac ici si Jake réussit sa mission. J'ai pas réussi là ma mission ? Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier. C'est qui Adamantin ? Cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs. Issui est la terre des Pokémon créés par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Ah, c'est le machin, c'est d'accord, de diamant. Okay. Et puisque Serbilin lui-même semble vous accepter. Bon, ben au moins j'ai un bivouac ici, ça sera chouette. Merci de nous avoir aidés, je vais parler de tes exploits au chef de ce clan. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Mission terminée. Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. En vrai, c'est un Pokédex original. Il est dur, il est chiant, mais il est super original. Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, ils nous installeront en bivouac ici. Je les aide ou faut chercher du bois? Non, c'est direct. Ellipse, c'est temporel. Voici le bivouac. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon. Le bivouac du plateau... Merci, professeur. Merci. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il te sera facile de mener tes recherches. D'accord. Excellent travail. Aujourd'hui, retrouvons-nous à Hardy Gourmand. Mais je voulais continuer à visiter la zone. Bon, j'ai un racaillou. C'est... Ce système de montrer les Pokémon à la fin d'une mission, ça fait un peu penser à Snap, Pokémon Snap. Voilà. Oui, je vais gagner une étoile. Lardy, comme d'habitude, pour toi. Comme d'habitude, ça fait un jour que je suis là, s'il te plaît. Vous avez l'air bien en joie. Vous avez pas entendu la nouvelle? Apparemment, il y a un achécateur fou qui se promène. Achécateur. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. J'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur. Ah bah tiens. Que depuis, il avait complètement perdu la raison. Pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail des recherches, mais on peut compter sur Jake pour nous aider. Cela dit, il paraît que la force de ce achécateur dépasse nettement celle d'un baron. Ah! Ah! Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil.
le lendemain. Bonjour Jake. Oh là, et on fera doucement, hein, on ne démonte pas la porte. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de Monsieur Cormier, sinon il va te faire une prise de sumo. Allez, j'y vais. Un petit café n'est pas de refus. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pacotille? Ah, c'est Adamantin. Ah, bah, diamant versus perle. Nakara. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlerait le temps et l'univers. Le temps de l'univers. Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Oh punaise, ça y est. Au secours. Et ça vous avance en quoi, à quoi d'avoir un espace infini si vous ne savez pas quoi en faire? Oh la claque! Parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être? Au moins t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan père. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Ridicule. Pardon, le grand sino a offert cet espace entre clans, c'est la fondation seulement. Arrêtez un peu, punaise. C'est pour tout le monde. Sérieux. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. J'espère qu'on va voir une base perle, une base diamant dans le jeu. Un peu comme cette grande cité là. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nakara, la chef du clan perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler du temps, c'est Adamantin, le chef du clan diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différends, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va voir plutôt notre boss. Je veux dire Monsieur Cormier, il t'attend dans son bureau. Sinon, il va faire une prise au sumo. Évidemment. Il y a des missions? Oui. Il y a des missions. Derrière moi. Et il fallait que je passe à la garderie au passage. Si un Pokémon me court après, une Béoran devrait suffire à détourner son attention, à me laisser le temps de fuir. Blabla. Je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets. Je n'ai plus beaucoup de Béoran. Je crois que j'en ai. J'en ai en fait. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. 3 rappels ? Oh, trop bien. Et alors la garderie. Bah tout le monde, mais Alors, il va falloir que je renvoie des Pokémon en fait. Un point sur l'équipe quand même. Non, j'ai dit que je voulais faire un point sur l'équipe. Pour l'instant, je vais garder ça comme ça. J'ai une mission en face de moi, mais il y avait le monsieur du Misty Boué avant. En espérant que j'ai du 80 centimes. En vrai, je pense pas, je crois que j'en ai que jusqu'à 75. Ah, c'est pas lui.
n'est pas ça. Très bien. Ensuite, il y a une mission côté verger, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai vu quelque chose de bizarre. Dans la forêt lointaine, il était en train de chercher des plantes. Il est tombé sur un sériflore en train de changer de forme. Bah, il évoluait. Il était... J'ai vu, replier ses pétales, redevenir un bourgeon. Non, bah pour le coup, non, c'est pas... Il faisait dodo. Non, c'est pas ça, une évolution. Donc toi, tu veux que je t'amène des choses sur sériflore. D'accord, alors sériflore. Je ne l'ai pas là. Ok. Donc. L'ordre de progression. 1, 2. Attendez, là je suis à la 14. 17. Il y a 1, 2, 3, 4. J'ai pas la 5. 6. 7, 8, 9, 10. Je les ai pas. J'ai pas la 12, j'ai pas la 15, j'ai pas la 16. Comment ça se fait? Donc qu'est-ce qu'il me veut lui? Montrer la page sériflore complète. Ok. Un champi et le mustéboué de la mort qui tue. Y a quoi derrière? Pas grand chose. Peut-être craft 2-3 trucs moi au passage. En vrai. Je peux en faire combien? J'ai 91. Je peux en faire 8. Que 8. C'est pas énorme. Ça, je peux en faire 4. Je crois. Des potions. J'en ai 8. Des rappels. On va faire 10. Bon, je pense que ça devrait suffire. Je suis pas sûr, mais on verra. La popote. Ah ben tiens, le tableau d'émission. Les queues notors sont dans le village. Oui. Belle habit. Un Baudrive joue avec des enfants. D'accord. Carte. C'est dehors. On va jeter un œil dehors dans ce cas. J'aurais pu me TP directement, non? Je crois que j'aurais pu me TP directement. Tant pis. Bah, il est où le PNJ? Sérieusement? Parler à Nani du corps de la défense. Parler à Biji du corps de la défense. Je pense que... Ah bah... Il est... D'accord. C'était le temps que ça apparaisse, hein. Petite téléportation là, en mode Abra. Très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un Baudrive joue tous les soirs avec des enfants sur la plage. Je croyais qu'il n'y avait pas de Pokémon sur la plage, faudrait savoir.
Ça plaît pas vraiment. On peut les attaquer. Mmh. D'accord. Enquêter sur Baudrif, il joue avec les enfants le soir sur la plage. Si vous voulez. Et maintenant, on va jeter un œil à ça. Et là, dans ce cas, c'est ici. Oh, punaise, on va pas s'embêter. Hein. Petite épée. Voilà. J'avais capturé 3 espèces, blablabla. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Plein de Knotor. Bonjour. Et qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux les capturer? C'est tout? Attends. Donc en gros, tu veux que je sorte le Knotor? Faut que je trouve 3 Knotor dans le village qui jouent à cache-cache. Ok. Alors, où qu'ils sont? En vrai, je pense pas qu'ils soient derrière les maisons. Ils doivent être beaucoup plus visibles que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, un Knotor, 2 Knotor. Et je fais quoi? Donc ça fait 1. Je suis tombé par hasard dessus, hein. Mais vraiment. Donc ils peuvent se planquer derrière. Et c'est que par des cinématiques. J'ai juste à me balader et attendre que la cinématique se déclenche. C'est pas très... C'est pas ça très marrant. Hein. Genre je peux pas passer. Oh il est joli le bambou, ouais. Magnifique. Dans le village, je vais supposer qu'il y en a un qui va être au dojo. Auprès des amulettes. Non. Petit Knotor, où est-ce que tu te caches? Où qu'il est le Knotor? Il n'est pas au dojo. Où est-ce qu'ils sont? Partie de cache-cache avec un Knotor, quoi. Ça alors. Ah. En voilà un. Il grignote là-bas, la barrière. Plus qu'un. Plus qu'un seul Knotor dans le village, donc normalement j'ai pas les portes à traverser. Le verger, c'est gourmand un Knotor, ça doit être, il doit être verger ou pas, il est là. Alors
et de 3. Il faut les relâcher en dehors du village. Jusqu'à ce qu'il se passe. Ne les relâchez pas, je vais les prendre sous mon... C'est qui? Le corps des bâtisseurs se porte désormais garant de ces 3 Kunota. Vous voulez les garder? C'est pas comme si les Pokémon pouvaient connaître ou comprendre les règles du village. Donc soyons indulgents. De plus, on peut vraiment dire qu'ils ont bon goût s'ils aiment grignoter nos constructions. Par contre, si nous les gardons au village, ils devront apprendre à se rendre utiles. Leurs tentatives d'invasion répétées montrent qu'ils ne manquent pas de cran, et leurs incisives solides peuvent tailler le bois et la roche. Okay. D'accord. Donc on commence à mettre des Pokémon dans le village. D'accord. Eh bien. Mission accomplie. Il y a un super bonbon. Très bien. Autre mission. Oui, j'arrive. Je vais voir le... ça après. Donc tout ça, c'est fait. Ça, il y a une question d'aller dans la forêt. Ça, il faut être le soir. Les champis tout mous. Voilà. Bah, en vrai, pour le soir, je vais pas m'embêter. Je vais provoquer le soir en allant dormir. Tout simplement. Ça sera plus simple. Ah mais j'ai... Mais c'est ça mon coffre. Et j'ai plus beaucoup de place. Donc le super bonbon dans la boîte à objets. Ça je garde. Fragment de fer. Fermeture de différentes Pokéballs. Peut être vendu à la boutique. Donc ça je vais aller le vendre. Ça faut que je le garde. Alors dormir, boutique, Beaudrive. On va faire ça. Maintenant, point mission. On va la relire pour pas se planter. Le soir sur la plage, c'est ça. La boutique, on a dit. Pardon. Je souhaite vendre ça. Voilà, ça me fait un peu d'argent. Pas de mission là, on est d'accord. Okay, go. Va falloir être rapide. Pardon hein, mais il y a personne. Ah si, ici. Salut. Monsieur le chercheur par ici. Je voudrais rentrer chez moi maintenant, mais Beaudrive me laisse pas partir. Ah oui, c'est vrai que la légende, c'est que les Beaudrive enlèvent les enfants. S'il te plaît, tire sur ma main. Je peux enfin rentrer à la maison. Mais tu sais, Beaudrive, il est pas méchant. Il nous a toujours laissé jouer avec lui. Et comme on voulait pas que les gens soient méchants avec lui, on n'a rien dit. Mon nom, c'est Fanto. A plus tard, monsieur le chercheur. Fantominus.
Mais je peux me TP, punaise. Pourquoi je m'embête? Par contre, la personne qui m'a demandé la mission... Ah, c'est à l'entrée. Bon, bah, je vais pas me TP alors. Alors, le rapport, voilà, c'est ça qui s'est passé. Il essayait donc de protéger le Pokémon. Cet enfant était en danger. Donc il y aura plus de soldats à côté plage. Ah bah de la poussière étoile, bah, j'ai bien fait de passer à la boutique moi. Sérieusement quoi. Ensuite, le mustéboué, ouais, bah, je fais ce que je peux. Le champignon, je sais pas où il est. Et ça, c'est à la forêt. Donc là, on repasse à la boutique vendre des choses. Et ensuite, on va parler au patron. Voilà, ça fait 1000 de plus. C'est toujours ça de prix. Mais avant de monter, pas de mission secondaire disponible. Ok, j'ai rien dit, il y a des missions secondaires. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je recherche un poids pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur... Oui, oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux dans ce cas? J'ai un racaillou sur moi, donc... Voilà. C'est où madame? Madame? Là. Ah. Faut sortir. Génial. Bon, on redescend et on re-remonte. C'est pas grave. Je peux me taper ça? Voilà, ce sera plus simple. Gagnons un peu de temps. Je peux me TP même quand je suis pas dans un bâtiment. C'est intéressant. Ça aussi, c'est nouveau. Oui, j'ai un racaillou, madame. Il est là. Un appât qui brille et un bonbon d'XP. Ok. Je n'ai pas le souvenir que je sois rentré dans ces maisons là, mais c'est pas grave. Belle Kenotor, justement. Est-ce qu'il y a d'autres missions maintenant, non? Non, en vrai, les missions, là, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, elle est là. 5, je l'ai pas. 6, 7, 8, c'est bon. 9, non. 10, non. 11, 12, 13, 14, oui. 15, 16, non. Donc, il me manque des missions secondaires. Ok. Je ne sais pas où. Le truc, c'est que s'il faut rentrer dans les bâtiments... dans les maisons pour avoir des missions secondaires, je vais pas m'amuser à chaque tour de faire toutes les maisons, à tout rentrer, à rentrer à chaque fois dans chaque maison.
Ça sera pas intéressant. Alors Cormier, que comptez-vous faire avec Ashikator? Il a beau être un descendant du Racino, du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Je sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Ashikador dans cet état. C'est vrai, moi aussi ça l'intéresse. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Tu es là. T'avais pas vu, mais je suis là, moi, j'arrive. Aussi Jake, les nouvelles recrues, blablabla. Grisa m'a parlé de toi, Serbilin s'est pris d'affection pour toi. Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle, tout le monde en parle. Moi c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion, je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle, tu veux dire que t'es allé dans l'espace où vivrait le grand... c'est pas tout à fait ça. Enchanté, je suis Nakara, Nashara, je sais toujours pas comment le dire, je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que t'es traversé la faille. J'ai une idée, que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashikator? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui s'est trouvé de la faille alors qu'il n'a aucune expérience? Qu'est-ce qu'elle en sait? On en parle de ton expérience au chef? Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Isui. Je vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de la mettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Parce que vous attrapez les Pokémon comment, en fait? Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Ah, c'est bien. Le grand Sino a créé Isui pour que les Pokémon puissent y vivre. Sans nos égaux, on devrait pas se croire au-dessus d'eux. Oh, je suis d'accord avec elle. Cormier, nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais tout simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Jake va enquêter au sujet de ce Ashikator. Il est normal que certaines personnes doutent de toi étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il va donc falloir redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Dans la forêt. N'oublie pas que le Ashikator, roi de la forêt, était un serviteur de Sino, blablabla. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, Jake, je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Descendre encore. Et au passage. Au passage, le tableau, il est là. Okay. Jake, te voilà. Oui. Professeur Lavant, nous vous écoutons. Jake, on t'a chargé de... faire des recherches sur le Ashikator, pardon. Notamment trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant.
Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il va falloir que je lance l'autre. Il serait plus difficile à un corps à attraper que les Pokémon de tempérament agressif. Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse, tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur. Dans les cours royales, ce sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Hachécateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Mais dans ce cas, il suffit de demander au clan Perle. Vu que c'est un monarque du clan Perle, on leur demande qu'est-ce qu'il donne au Hachécateur. Tout simplement. Ah, on doit me parler. Le Grand Sinnoh conveneur au clan Diamant peut contrôler le temps. Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si t'en es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Oui, exactement! Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hachécateur, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombiez bien, nous parlions justement de ça. Ah, vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. Il y a beaucoup de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Bon, les clans Perles vénèrent sur le roi de la forêt, et les connaissants, ils préfèrent régler. Comment préfèrent régler la situation par eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide du groupe aux galaxies. Oui, bon. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Eh bien, lui aussi, il a l'air enragé. Ah bah tiens. Nos mauvaises relations avec le clan Perle ne datent pas d'hier. Mais on vit tous à y suivre, alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Bien dit. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous n'est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. C'est notre dernier espoir. Hachécateur est à l'arène du grand arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Hachécateur. Alors, il y a trop de S et de C. Oh ! Et de chier. Mais si tu lui demandes, on compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours et il est reparti aussi vite. Voilà. Le temps est précieux. Bon. On y va? C'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage. Oui. Let's go. On y va. Oui, c'est par là. Allons bon, qui c'est qui m'arrive encore? Est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir amasser de ressources? Oui. Que ta sacoche se remplit trop vite? Oui. Ah, une proposition. Oui. Il a juste défragmenté la sacoche, quoi. Attends, je vais juste regarder mon inventaire, en fait. De plus, vas-y, fais péter. Donc 3, ça va faire 400 et 500 après. Encore ? Il y a combien de...
je reste du tri quand même à un moment donné. Bon, on se casse. On sait que c'est lui le PNJ des sacs maintenant. Où allons-nous? Ah, sauvegarde, c'est bien ça. Il y a des missions sur ma droite, là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Des poupées? Trois morceaux de bois, j'en ai qu'un. D'accord, j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un. Ok. Bon, il veut une poupée, écoutez, chacun son truc. Hein. Liste des missions. La poupée, on va attendre. Le, ça, il va falloir... c'est Pokédex. Le champignon, alors là, le champignon, pardon, mais... Et le mustéboué qui s'est toujours pas suffisant. Ah, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? J'aime bien lui. Hop là. Alors, j'ai pas de... que j'aille ici. C'est super loin. Alors je vais là. Ouais, allez go. Pardon mais... Ah voilà, bivouac du plateau. C'est comme ça qu'on fait, d'accord, j'avais pas capté. Je n'avais pas capté, ok. Alors, demi-tour et tout droit. Ah, je peux pas. J'ai croisé plein de racailloux encore. Oh, regardez. Il y a lui. Attends. Attends, j'ai dit attends. J'ai dit attends, punaise. Il m'endort. Allô, je veux réagir. Tac, tac. Allez, on tente. Yes. Un Sarfrousse. Pokédex de suite pour voir le Sarfrousse. Il faut que j'en attrape, que j'en vainque, qu'il... Bah, en gros, surtout en vaincre, parce qu'ils doivent utiliser des choses, voilà. The bar. Voilà. Faut que je fasse gaffe au Pokéball, par contre. Il y a une fleur là-haut qui m'intéresse. Hop hop hop. Non, je dois aller de ce côté moi. Faut que je me concentre. Les racailloux niveau Pokédex, il faut faire quoi? Attraper. Faut que j'attrape des racailloux tout simplement. Y a pas à dire plus. Punaise, il m'a vu. Ouais, on se casse.
On va essayer de la voir comme ça, peut-être. Arrête-toi, racaillou. Allez, s'il te plaît. Non. Non, il a pas envie. D'accord. Bon, ben dans ce cas, on trace comme ça. Nosferatu. On va tenter. Hein. J'aimerais bien avoir un Nosferatu. C'est violent. Objet. Pokéball. Ah, on voit en haut à droite qu'il y a d'autres Pokémon en attaque. Donc on voit qu'il y a le Racaillou. Le Racaillou, fallait l'attraper, c'est ça. Aïe. S'il te plaît, ne fais pas un OS. Trop tard. Trop tard, trop tard. Wow. Ah ouais. Il est vénère, vénère. Mais si tu fais mal, il est niveau combien? 30. Non, 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 on se casse. On fuit. On fuit, comment on fait pour fuir? On se casse, on se dit, on se casse. Il y avait un paras qui traîne quelque part. Il y a aussi une fleur qui m'intéresse. Aïe 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 aïe. Il y a d'autres paras, c'est pas grave. Voilà. Trop tard, il m'a vu. Il m'a vu. Oh là là, mais les deux m'attaquent en même temps? Pardon? C'est pas chacun son tour? Petite flamèche. Voilà, ça fait un en moins. Il y a une petite différence de niveau quand même. Hein. Allez. Stop. Ah, punaise, il est KO. C'est pas grave. Il y a Nosferatu là. Il y a plein de gens partout. Carte, je me suis perdu. Ah mais je suis pas du tout dans la bonne direction moi. Mais genre pas du tout. C'est quoi? Un paras. Bonjour monsieur. Ah, un clampère là. Ok. Mais je vais toujours pas dans la bonne direction.
Le pont est pété? C'est là-bas que je veux aller, moi. C'est ça, hein? Ouais, alors pas vraiment, mais oui, quand même. Je trace. Je fais au mieux. Allez. La manette qui me dit que la batterie est faible. Génial. Ça tombait. Ça pouvait pas tomber mieux, quoi. Ne te noie pas. Pour les Pokémon eau, d'ailleurs, les Pokémon poissons, ça veut dire que je vais avoir des notions sous-marines à un moment donné, moi. On sera petit, fous-moi la paix. Punaise, faut que je fasse le tour de l'autre côté. Oh, il est vénère. Il est vraiment pas content, le Nosferapti. L'avantage, c'est que je peux me permettre d'esquiver des combats par rapport aux autres jeux Pokémon. C'est plutôt intéressant. Je ramasse les items au passage. C'est important. Je sais même pas où je vais. Presque, c'est bon. On continue, c'est... on est suivi. Je suis dans la bonne direction. Alors, un caillou. C'est par là. Un peu plus de ce côté-là. Et d'Elixir, il va falloir faire gaffe. Il n'y a pas que d'Elixir, même. Allez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a fait flipper. Vive attaque. J'y vois rien, mais je fais ce que je peux. Voilà. C'est court. Je peux lancer une Pokéball, je pense. Ok, alors, Pokédex. Il y a beaucoup trop de choses. Surfou, c'est fait. Nosferapti, c'est attrapé. Attrapé pendant la journée, ce qui est plus rare. Spécimen vaincu. Vaincu par une capacité de type roche. Nosferapti qui fait tornade. J'en ai croisé quand même. Spécimen, c'est fait. Parasect. Parasect, Spécimen baron. Ah ouais, quand même. Vaincu. 40 oh. Ok. Paras. Paras, c'est du boulot, hein. Et Chuniti. Il y a du boulot aussi. Ok. En fait, ce que je pense faire maintenant, je vais pas forcément m'embêter à vouloir focus des objectifs du Pokédex, et ça va venir petit à petit. Sinon j'avancerai jamais. C'est sur ma main. Tombe pas dans l'eau, toi.
Hop, les... ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est fait. Je me casse, je suis là-bas. J'attends que ce soit un peu plus calme. Ok. Alors où suis-je? Ici. Et il y a une caisse encore plus sur ma droite. Ça, je peux l'enlever. Un peu plus sur ma droite, donc. Mais pas beaucoup, beaucoup sur la droite, donc. C'est quoi ça? C'est un Pokémon? Non, c'est juste un fragment de fer, d'accord. Un peu plus haut. Il y a un gros lemme. Ou un gravalanche plutôt. C'est encore un peu plus en face. Ah mais il est vénère. Salut. Il m'a pas vu, tant mieux. Aïe aïe aïe. Dans des zones où je devrais pas être. Hein. Ça, c'est l'entrée d'une grotte. Il faudrait peut-être que j'attire Grolem par là. Si j'attire Grolem par là. Non. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a. Ça, je peux l'enlever. En vrai, je pourrais. Bah non, je peux même pas allonger parce qu'il faudrait passer à travers la grotte. Faut que je revienne au bivouac. Et que je... Ouais. C'est le plus simple, c'est de revenir au bivouac. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Ah, j'ai plus énormément de place. J'ai plus énormément de place. D'accord, je suis content, ça me va. Et il y a le, c'était où? C'était là, ici. Il y a Etourmi qui voulait évoluer, donc faisons évoluer Etourmi. Et voici Etourvol, tout simplement. Voilà. Et Etourvol. Il faut en vaincre, en attraper. Ok. Bon, c'est des choses qui vont se faire petit à petit aussi. Ma direction, tout droit par là-bas. Peut-être crafter des trucs, moi. Ah oui, c'est vrai, il faut que je ramasse du bois. J'en ai pas vu du bois pour le moment. Je n'en ai point vu. c'est dangereux quand même là. C'est la dangerosité, hein. Je vois rien. Hop là. Tac. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà.
Il y a un Mélocric au-dessus. Il n'y en a pas qu'un au-dessus d'ailleurs. Alors, on va essayer de faire comme ça. Non, pas comme ça. Mais idiot, punaise, je vais pas réussir. Peut-être que ça fonctionne. Eh oui, ça fonctionne. Allez. Alors attendez. Ah mais c'est par là. C'est par là, mais ça a l'air profond quand même. Mais idiot, punaise, je balance des choses comme ça, mais... Oh là là. En même temps, c'est pas intuitif. Là. Ah, il y a un petit passage, là, ça va. C'est bizarre. Lui, il a... Il a pas l'air content. Et après, ça sera de ce côté là-bas. Ça fait mal. Oh, ça va, niveau 16. Oh. Mal. Depuis quand l'eau est supérieure à l'électrique? On m'explique? Quoi cet animal là? Il est overpété? Il résiste, tant mieux. Allez. Allez, 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 allez. Punaise. Il me reste qu'un seul Pokémon. Ah oui, à ce point? Et je fais comment? On va dans le sac. On triche un peu. Reste tout le monde, tant qu'à faire. 100 PV, là on est sur du 60. Voilà. C'est un peu pété comme technique quand même. On est en plein combat, j'ai plus personne. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme si j'avais une équipe de 12.
sais, vivra quoi, je sais, voilà. C'est idiot. Voilà. Ah, la manette qui réagit encore. Je peux pas, hein. Il a plus de points de vie, mais... Je comprends pas comment les attraper en fait. Soit capturé. Pourquoi il veut pas? Bon. Tant pis, tant pis. Ça m'embête beaucoup. Lixi qui peut évoluer. Allez, on va te faire évoluer, Lixi. Bon, la carte là, sur ma droite. Derrière moi, quelque part par là. Et donc j'ai une super balle, c'est ça? J'ai pas compris. Va falloir que je fasse du tri. J'ai des fortes champis, mais j'ai pas de champis tout mou. Hein. C'est un Armulis ou un truc comme ça. D'accord, je n'ai plus rien à faire. Je vais enlever l'étoile. Faut que j'aille sur la... Bah, que je suive le point, en fait. Oui, voilà. Je vais absolument pas passer par le chemin, mais c'est pas grave.
papillon. Il y a un gros truc bleu, je crois, là-bas. Ah, c'est un arbre, ça va. Ah ben... Voilà qui voilà. Donc c'est comme ça qu'on va attraper des Pokémon dans l'eau. Très bien. Ah, il a pris peur. Pas sûr, hein. Oh punaise du monde. Ah, le chemin, c'est bon. Hop là, on reprend le chemin. La musique est chouette, j'aime beaucoup. Moi, c'est Elian du clan Perle, je suis le gardien qui s'occupe du HCateur. Bonjour. Ne dis rien, je sais tout, tu es venu rencontrer HCateur, évidemment. C'est un Pokémon trop puissant, formidable, blablabla. Quoi? J'ai rien dit, j'ai juste dit s'il te plaît, mec, hein. Mon fer... mon muscle. Allez, combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc tout mou, c'est un muscle. Ah, c'est beaucoup plus efficace. Ah, ça aussi c'est efficace. Ah, intéressant. C'est un Pokémon dragon ce truc? Pardon? Pardon? Ça c'est dragon? Ah, c'est pas suffisant. D'accord, donc même le gardien n'arrive pas à calmer son le HCateur. Hein. Au final, elle va nous dire qu'on peut le rencontrer, c'est ça?
qu'est-ce qu'on va faire? Sans blague. Je voulais pas soigner mes Pokémon aussi avant, on sait jamais si je dois le battre. Non mais je repars? Pardon? Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Oui. Ah, appuyez sur X. D'accord. J'ai plus besoin de passer par la carte. Très bien. Retrouvez la vente à un bivouac et... Bon. Mais il y a l'arène du grand arbre qui est plus loin quand même. Il faut que j'appuie quand même sur... Allez. Content de te voir. Comment progresse tes recherches sur l'achécateur? Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. On va direction le labo alors. Pas fait de trucs sur... Mince, la forêt, j'avais un Pokémon à trouver, je l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Et c'est quoi les aliments? Parce qu'en fait, ils me l'ont même pas dit. Les sérieusement le scénario, oh là là, qu'est-ce que la blablabla. Je fais quoi moi du coup? Il y a un petit souci par contre, je suis oh là là, c'est un bug, je suis absolument pas là, hein. Pardon, hein. Je suis ici là, excusez-moi, mais bon, alors démission, qu'est-ce qu'on me demande? Des notions rapides. Plus tard, la sacoche, plus tard. Ça va vite venir, devenir un besoin, mais plus tard. Pas des items avant, moi. Si, j'ai deux poussières étoiles à vendre. Voilà, il y avait une Super Bowl dans... Ou pas. Attends. J'en ai qu'une. Sérieux? Ok. Il va falloir vraiment que je fasse de la place, par contre. C'est pas normal, tout ça. Pardon, excusez-moi. Pardon, allô. Où vais-je? Faut que j'aille en bas. C'est tout. Oui.
je sais la manette, je sais. Mais j'ai un Nosferatu, je crois. Y a pas de dieu. Voilà, c'est ce que je disais. Bah les ultrasons, tout simplement. Pardon. J'ai plus de place dans le sac déjà. C'est quoi ça? Augmente beaucoup la puissance au facile pendant un combat. Place dans le sac. On fait quoi maintenant? Donc il y a la suite du grand issue, c'est ça? Il faudrait aller calmer le grand issue. Enfin, le Pokémon. J'avoue, je commence à fatiguer. Ça fait un peu plus de 6 heures, ça fait 6 heures et quart, je suis en live là. Je suis tablé sur 6 heures. Ah, bonjour madame. Le siège du groupe Galaxy est un super bâtiment, blablabla, ils ont vu grand. Oui, et donc, que veux-tu me dire? J'ai de bonnes nouvelles. Ah. Allons au bivouac. Bon, eh bien je crois qu'il va falloir que je termine ce chapitre. Oh génial. Serbie. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser H4. Je lui ai dit que t'appartenais à aucun clan, que t'étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille, blablabla. Et voilà ce qui s'est passé. Il a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Qu'est-ce qui se passe? Une pokéflûte? C'est la flûte céleste. Tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. C'est trop bien. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. D'accord. Bah ouais, je veux bien. On dirait juste qu'il souffle dans un rouleau de sopale. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Salut. C'est quoi? Il me donne la plaque. Il va falloir collectionner les plaques. Punaise. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement. Bon, la plaque esprit, la première. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type esprit. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs du type psy. Ok. Allez, let's go. Il faut appuyer sur plus. Ah. Ça veut dire qu'il va si vite. Il va méga vite. Je suis là. Pardon, la carte Hue. Je suis sur le grand plateau. Il y a une quête secondaire. Donc, on va prendre la quête secondaire. Que veux-tu? Oui, on va faire ça, oui.
30 au coin. Tu as 45 secondes. Okay. 45 secondes. J'ai juste à bouger avec le joystick, on est d'accord. Mais c'est pas des ballons, c'est... accélérer, sauter. Oh mon dieu, c'est immaniable. C'est immaniable. Ah, c'est Y pour sauter. Zut. J'en ai 26 sur 30, j'en ai... Il y en avait 45 ? Mais non, non, j'ai 45, il y en avait 30. J'en ai fait 26. Donc il m'en manque 4, j'en ai raté 4. Une Beframbi. J'ai eu une Beframbi, pardon. Ah, quand même. Des plumes bol, d'accord. Tu peux t'essayer à ce genre de jeu d'ailleurs, mais celui-ci c'est sûrement plus facile. Tous les défis d'éclat de ballon. Ok. On m'a dit d'appuyer là. Ah, j'ai juste à... Mon dieu, quelle horreur. La carte. Tout droit. Tout droit. J'ai pas le temps. Ok. Je t'ai passé par là. Par là. C'est vrai que c'est un peu plus rapide quand même. Hein. On a croisé des étourvoles au passage. Accélérer. Ah oui. Au secours. Oh, flûte. Il y en a un sécateur. Je l'ai vu. Par contre, je suis tombé et... Je vais me noyer. Et voilà. Pardon, mais j'ai vu un insécateur en fait. Ça m'intéresse. Il est là. Bien, ça va être un combat. Ah, il est pas content. Il est pas content du tout. Mais il fait mal. Ah. Bon, il est paralysé, c'est marrant. Ok, d'accord. Il est à moitié paralysé. Non, c'est 4. Hop là. Bonjour. Alors comme ça... Ouais, je pense qu'on a trouvé la solution. Fève d'odu. Oh non.
Vivre à Lille. Ah oui, je commence à attaquer, oui, bien sûr, tout à fait. Allez, au revoir. Un givre à lui. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça fait mal. Voilà. T'as intérêt à me soigner, madame, hein, par contre, s'il te plaît. Hein. Apparemment, oui. Bah oui, voilà. Merci, c'est gentil. Boule pacifiante. Qu'est-ce que c'est ? Pacifie forêt. J'espère que je les ai dans mon sac, en fait. Oula, il a pas l'air content. Ils sont barrés les autres. Ah, il a coupé. Il est tout goldé. Pourquoi il est tout goldé? C'est un boss? Combattre un Pokémon mais on a pour emporter. Vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon il est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une balle de partenaire pour l'affronter. Attendez, quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une balle de partenaire pour l'affronter. Donc en gros, un combat quoi. Remportez le combat et votre adversaire se retrouve sans défense. L'effet des boules pacifiantes sur leur vie. D'accord. Il a fait mal. J'ai raté. J'ai raté. Ah, ça fait des dégâts. Okay. Allez, Luxio. Moitié vie. Désolé, Luxio. Pas mal. Oh punaise. Tornade. Lamber, c'est d'ailleurs pas mal. Voilà. Boule pacifiante. Ah non, mais par contre, il m'a mis KO en fait. Je préfère.
Mais j'ai plus de Pokémon. Il va me démonter. Oh, punaise. Aïe 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 aïe. Je suis KO. Si on conserve la jauge. Vous pouvez choisir de ne pas réinitialiser la jauge de frénésie lors de votre prochain essai. Ok, et donc ? Oui. Tant que ça ne me pénalise pas sur le reste, en fait. Allez, réagis. Ok, cloche, c'est bon. Bon. Au moins, il y a une barre en moins. Aïe, punaise. Vas-y. Ok, et maintenant ? Maintenant, il se passe quoi ? On fait des niveaux. La plaque insecte. Eh ben, j'en fais une deuxième plaque. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance de type insecte. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs du type insecte. Et il se barre. Ouah, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le cœur de l'achicateur a disparu. Ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé. C'est donc bien ce drôle d'éclair qui est à l'origine de sa force effrayante. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. L'achicateur a peut-être été frappé par cet éclair et l'aurait rendu fou furieux. Et puis la faille spatio-temporelle. Mais alors ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Achicateur? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules,
sans vraiment réfléchir, et voilà. J'ai l'air de quoi maintenant? Je ne suis pas fier de moi. Calme-toi, rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je ne pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains. De cette façon. Okay. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon, pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Accepte ceci de la part du clan Perle. Qu'est-ce qu'on me donne? Une perle? 3 Bécitrus. Ah, merci pour le heal. Ah, c'est un jeu, d'accord. La note de musique est un jeu. Fallait le savoir. Il y a des missions en ville. Eh bien, on va aller les chercher. Je peux pas y aller ? Punaise. Ok. Ah mais si, je sais quoi, comment faire. Comme ça. Faut que j'aille voir la madame aussi qui me donne mon étoile, tant qu'à faire. Et j'y pense là. Ah bah tiens, en parlant de ça. Cinématique. Oh! Mon personnage préféré. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel, ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Incroyable, serait-ce? Mais oui, c'est une plaque que tu as là. Montre-la moi. J'en ai même deux. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que t'as trouvé ça? J'en ai eu deux, dont une qu'on m'a donnée en fait. Tu as donc reçu une plaque après que Servilin a reconnu ta valeur, et une autre après que tu as apaisé Rachicateur. Passionnant, tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre. Point de l'issue. Bah oui, il doit y en avoir 12, 13, je sais plus, 12 je crois. Si on arrive à toutes les réunir, à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire, il n'y a rien de plus fascinant. À bientôt. Tout ça pour ça. Ça sert pas à grand chose. Bah tout à l'heure il y avait une quête là. On va aller chercher la quête. Madame. Ah, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Un feu follet. Rive fit le vent. D'accord. Pour des gens qui ont peur, finalement, ils se baladent quand même pas mal. Ok, va falloir une preuve du feu follet. Ah, faut le capturer. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Sur le tableau des missions. Oui, il va avoir besoin de beaucoup plus de place dans la sacoche. Il n'y a pas de mission secondaire, pardon. Mais il y en avait une là tout à l'heure. Juste là, ici là. Chelou quand même. Mission principale. Secondaire. Alors, juste secondaire.
1, 2, 3, 7, 9. Alors, 1, 2, 3, c'est là. 4, il me manque la 5. 10. 11, 12, 13, 14, 15. 5, 10. 5, 10, 16, 19. Ah, les bois, j'ai oublié le bois. Ouais. Et le champignon, je sais pas où il est. Et je voulais voir la mission principale. Il faut parler à Cormier. Eh bien, pourquoi on me dit d'aller dehors? Ah, parce qu'il faut aller là, d'accord. Eh bien, je vais arrêter là. On va sauvegarder. Je sais même plus comment. Oui, j'ai vu pour les évolutions. Mais je veux sauvegarder en fait. Ah, c'est là. Ok. J'ai une marque sur 5. Je serais déjà si avancé que ça. Étrange. Ouais, je dois arrêter là. Je suis vraiment crevé en fait. Du coup, merci pour les gens qui ont suivi, merci pour les raids, merci pour les follow. La suite dans la journée ou dans la nuit qui arrive. Toujours sur ce jeu, bien sûr. Ouais, je vais aller me reposer un peu. Vous connaissez la chanson, hein, soutenez l'association, rejoignez le Discord. Toutes les semaines, il y a des jeux gratuits à récupérer sur le Discord. Profitez-en, hein. C'est quand même des bons plans. Ça fait des sacrées économies en plus. Pensez à follow la chaîne si c'est pas fait. Balancez un sub si ça vous chante. Si vous avez Prime, profitez-en. Les réseaux, vous connaissez la chanson. Il y a pas mal de choses sur YouTube. Si vous avez raté des streams, il y a les sessions de rattrapage sur YouTube. Profitez-en aussi. Moi, je m'en vais me reposer parce que là, j'en ai besoin. La suite de Pokémon tout à l'heure dans la journée et la nuit prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Cordialement.